Je veux croire que les données seront changées dans la situation. La faculté d'Aix n'est pas uniquement The Theological Seminary of Aix-en-Provence is not only an institute for study and research, it is first and foremost a community, a spiritual community of believers. Everyone, professors, secretaries, librarians, students, works, prays and studies together. We are brothers and sisters in the faith, and this is an extremely important feature. Students are trained for service, whether it be for the ministry, the pastorate or missions. The ultimate goal is practical service in the church context. So academic study and practical application go hand in hand. Internships in churches or with missions are an integral part of the curriculum and are undertaken both in France and abroad. J'ai commencé à m'engager dans la faculté de théologie à travers des enseignants et des personnes engagées ici. Et avec eux, à travers eux, j'ai découvert que cette faculté était profondément liée, bien plus que je ne l'avais soupçonné jusqu'à une époque récente, à l'histoire et au présent de mon Église, et qu'une partie du dépôt de la tradition réformée était ici authentiquement vécue, sur le plan théologique, sur le plan ecclésial. One of the features of this seminary is that students are able to grow in faith and knowledge. As Paul said, do everything you can to add to your faith knowledge. Être en Adam signifie participer à la situation du premier homme, retrouver une situation. La parole de Dieu a une place. The word of God is of primary importance, and the strength of Reformed teaching is that the whole canon of Scripture is taken seriously and is to be understood with all its wealth, nuances, and strength, while at the same time emphasizing the need for it to be lived out in today's social context. Sans cette parole, on ne peut pas vraiment se situer dans ce monde, on ne peut pas vraiment savoir quel est notre vocation, quel est le sens de notre existence. C'est évidemment parce que cette littérature se trouve présente dans... C'est une expérience qui après nous conduit plus loin, dans une réelle disponibilité pour parler aux autres, un fondement, une connaissance plus approfondie, sérieuse, défendable, on va dire. Another aspect of the seminary, which is certainly unique in the French-speaking world, is that the teaching is both evangelical and reformed. Resolutely evangelical, while at the same time grounded in the reformed tradition of the 16th century, and of course in the whole history of the church. J'ai découvert ici une vie communautaire. Residential students like Laurence have found a rich community life at the seminary, made up of people from different geographical, cultural and theological backgrounds. Je sais depuis maintenant 3 ans, je suis I am a part-time student and have completed half of my 6-year course. The past 3 years of study have been a very positive experience. Not only have they given a new solidity to my faith and convictions by strengthening my biblical roots, but they have also opened up new horizons and perspectives, especially in my relationships with other churches, pastors and missions. Justin Donnet. Donc j'apprécie vraiment la reconnaissance du diplôme en tant qu'évaluation, mais au-delà de ça, c'est cette nourriture de vie pour la vie de nos contemporains. Toi qui fais naître en nous la foi.
c'est un privilège de pouvoir prendre quelques années de sa vie pour étudier la théologie. De se dire qu'à un moment donné, on prend 2, 3, 4, 5 ans de son existence, non pas pour se couper du monde, mais pour avoir le privilège de prendre du temps pour méditer cette parole de Dieu, de la réfléchir aussi dans l'histoire, comment elle a été comprise, de la mettre vraiment en parallèle avec les grands défis de notre temps. C'est un temps, je crois, d'enrichissement, une sorte d'un temps à vivre dans la reconnaissance, comme un privilège d'une certaine manière, mais aussi une forte responsabilité. Interest and your presence here today is a way of expressing that very same concern that is given to us in Jesus Christ. And I would like to thank you again for this opportunity for us to be bound together in this fellowship in Jesus Christ. Thank you.